Soirée de gala ce jeudi à la Balme de Sillingy. Le modeste club au Savoyard accueillait un match amical de basket entre deux équipes professionnelles, l'Élan Chalon face à Nanterre 92. Une trentaine de membres du club étaient ainsi mobilisés pour organiser la rencontre dans leur salle. C'est surtout beaucoup de travail de tous mes bénévoles. Alors je les remercie parce que moi je suis que porte-parole du club. Je suis le président, mais c'est vraiment eux qui ont organisé ça depuis plusieurs mois. Et ce qu'on fait là, c'est à l'image du club de la Balme, c'est toute la saison avec des matchs organisés, des tribunes, des supporters. Puis on est fiers, on a envie de bien organiser pour que les gens soient reconnaissants et qu'ils reviennent. Et quand on reçoit des équipes depuis plusieurs années, comme la JL, comme Exmoriens, Savoie Basket qui est venu plusieurs années, on a eu Fribourg, on a eu, cette année c'est Nanterre, c'est Chalon, on est ravis quoi, c'est que demande le peuple. Côté match, les supporters n'ont pas été déçus. Les deux premiers quart-temps ont été dominés de la tête et des épaules par Chalon-sur-Saône, bien plus agressif et adroit. En deuxième mi-temps, les quelques 400 spectateurs ne s'attendaient sûrement pas à un match aussi prenant. Nanterre 92 repartait effectivement avec de bien meilleures intentions. Petit à petit, les Franciliens regagnaient leur retard pour revenir au score en arrachant une prolongation. Mais Chalon s'accroche grâce à leur leader et ancien joueur NBA, Mike Gélabal. C'est finalement Nanterre qui s'impose grâce à ce shoot transformé à la dernière seconde. La salle omnisport de la Balme de Sillingy exulte devant un tel scénario. L'ambiance était bel et bien au rendez-vous pour ce match délocalisé chez un club amateur. Ouais, ça fait du bien. Pour le moment, on n'a pas encore vraiment joué devant notre public à nous, mais ça fait du bien de jouer devant les gens, ils nous encouragent, ils ont vu du beau basket. C'était un très beau match aujourd'hui avec une prolongation, donc je pense qu'ils ont été satisfaits et nous on est satisfaits aussi de voir les gens dans les gradins. Il y a des années j'étais de l'autre côté de la barrière et je sais ce que représente pour des clubs comme ça le travail pour accueillir une affiche comme ça. Donc moi comme je vous dis c'est que du bonheur, je préfère évoluer ici dans des bonnes conditions, avec un public enthousiaste, que de jouer à huis clos un match d'entraînement, je sais trop où. Donc merci au club qui nous a reçus, parce que tout était parfait, et donc je tiens à les remercier. Le club de la Balme de Sillingy le promet, ils organiseront désormais chaque année une rencontre XXL comme celle-ci.